reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Je fais quand même un bail, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien. J'étais juste très 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 occupé. Mais je suis de retour. J'ai vu une chose qui m'a vraiment choqué. Tellement choqué, je me suis dit, mais wow. Il faut quand même qu'on en parle. J'aimerais voir votre réaction aussi. Sérieusement. Écoutez-moi bien. Le diable récompense ses cas. Il récompense ses stars de la musique. Mais comment le diable récompense-t-il ses stars, ceux qui l'adorent, ceux qui parlent de lui au travers de la musique? Et quelles sont les récompenses et tout ça? Mes frères et sœurs, au départ, quand j'ai entendu ça, j'avais cru que c'était de la blague. Mais les choses sont réelles. Et décidément, ce monde-là encourage les mauvaises choses. Ce monde-là encourage les choses vraiment étranges comme le mariage contre nature et plein de choses qu'on ne peut pas citer ici. Mais vous êtes au courant déjà. Écoutez bien, voyez ce qui s'est passé. Il y avait une jeune femme, une jeune star de la musique. Il suffit juste que je dise son nom, hein, et vous allez savoir qui c'est. Mais je n'ai pas dit son nom pour le moment. La star de la musique venait de faire sortir une nouvelle chanson. Une chanson accompagnée d'un clip. Et tout de suite, les gens sont allés là-dessus pour regarder comme des mouches. Et comme si on les avait appelés, ils étaient là-bas en train de regarder la chose. À un moment donné, je me suis dit, mais ah, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde sur l'affaire là? Il faut quand même que je jette un coup d'œil, on ne sait jamais. Regardez comment. Je suis allé regarder le clip. Et j'ai ouvert ma MSU comme ça, il dit, hein? Ça, c'est des clips. C'est des clips pour moi, c'est de la pornographie. Hi. Et mais je ne reconnais plus mon pays. J'étais même choqué. Et je voyais des millions de personnes qui étaient connectés, tous en train de regarder la même chose. À un moment donné, cette star-là elle-même, elle a vu qu'elle a commencé à avoir tellement de succès que elle s'est dit que là, vraiment, Dieu a agi dans sa vie. Elle dit que Dieu a agi dans sa vie. Ouais, au point où elle s'est mise à chanter, à l'honneur de Dieu. Et elle a commencé à chanter, elle dit, when Jesus say yes, nobody can say no. Qui connaît la chanson? When Jesus say yes, nobody can say no. Elle a commencé à chanter comme ça. Il dit, mais ah, quel est son problème? Mais elle a continué à chanter. Elle dit, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Jean, ceux qui comprennent l'anglais peuvent nous traduire ça ici, hein, mais je pense que ça veut dire que quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, là, non. Personne, si c'était là, non, ne peut dire non. Jean pour dire que, ouais, Dieu a frappé fort. Dieu l'a aidé à avoir du succès. Et elle se réjouissait de tout ça. Mais quand tu reviens, que tu regardes le clip et tu la regardes encore, tu dis, mais ah! Dans la chanson, tu ne fais que parler de sexe. Dans le clip, on ne voit que les filles montrer, lancer, les fesses, tout ce qu'on connaît. Mais tu viens encore nous dire que c'est Jésus-Christ qui a béni ton travail. Est-ce que c'est du même Jésus dont on parle ici? Est-ce que c'est du même Jésus là dont il est question? Moi, je me suis posé la question. Et elle a été récompensée pour ça. Vous connaissez les récompenses qu'on leur donne, non? Genre les MTV Awards, on leur donne les Grammy. Il y a quoi encore là même? Tout ça depuis le courant, il y en a encore, non? Et quand ça se passe ainsi, les gens qui sont derrière
qui les regardent, et aussi se disent que ah donc on peut faire des bêtises et puis ça a marché. Donc on peut faire n'importe quoi et puis ça a piqué. Et aussi ça pique là. On nous récompense aussi. Voici comment les gens aussi se jettent dans la sauce et ils vont faire la même sauce. Ils vont faire la même chose. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que la personne qui va les récompenser en réalité, là, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que vous avez bien travaillé. Quand vous avez chanté des musiques qui incitent les gens à aller chez les femmes, ou bien vous avez chanté des chansons qui amènent les gens à faire du grand n'importe quoi, des chansons qui viennent pour corrompre les âmes, dévier la pensée des gens. C'est-à-dire, après une chanson, quelqu'un peut traumatiser l'esprit de quelqu'un. Ouais. Il peut traumatiser l'esprit de quelqu'un d'autre. Et c'est quoi? C'est quand ça se passe ici et que vous voyez ça, vous vous dites, mais ah, et les gens sont dedans. Au départ, ces artistes-là chantaient de façon posée. Chantaient de façon normale, ils racontaient leur vie, comment ils ont eu des difficultés dans leur vie. Mais à un moment donné, ils ont découvert que ça ne marchait pas trop. Voici comment ils ont décidé de chercher les moyens afin de pouvoir vraiment impressionner tout le monde, impressionner les gens. Et après analyse, ils ont découvert que aujourd'hui, les gens aiment du grand n'importe quoi. Surtout les chansons, les clips où il y a beaucoup de go dedans, il y a beaucoup de filles, là, les jolies filles là. Voici comment ces gens ont commencé à faire des chansons et des clips où il y a beaucoup de filles dedans, avec les fesses à gogo. Et ça marche! Ça marche et ça marche! Ça marche et ça marche encore! C'est à ce moment-là que ces gens se sont dit, ah, puisque ça marche et que c'est ce qu'ils aiment et que nous, on n'est pas là pour rigoler eux. Donc, nous allons faire notre travail. Voici comment ils ont commencé à produire tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et encore, les gens qui vont regarder ça là, ils viennent se plaindre pour dire que, ah, vous ne regardez pas nos enfants. Vous ne voyez pas comment nos enfants sont. Vous venez pour juste corrompre les âmes de nos enfants. Mais c'est ce qui marche. Qui aimerait travailler pour ne pas voir ses affaires marcher? Honnêtement, tout le monde. Donc, continue dans ça. Mais le diable les récompense. Et comme c'est le diable qui les récompense, Dieu ne peut pas les récompenser. C'est là que j'ai vu les gens recevoir des Grammy Awards, des MTV Awards, des Cora, parce que ces gens-là ont chanté une chanson et ça fonctionnait. Ça a touché les gens, ça a touché le monde et tout ça. Et c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Mais qu'est-ce qu'on retient à l'intérieur? Tu as fini de chanter, c'est vrai, tu as eu de la thune. Mais clairement, quand toi-même tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu peux faire écouter ces chansons à tes enfants? C'est là que ces gens vont dire non, c'est pas possible. Parce qu'on a chanté cette chanson juste pour avoir des prix, pour recevoir des prix, beaucoup de thunes, beaucoup d'argent, tout ça. Et voilà. La vie est vraiment bizarre. Mais après, ces gens-là, quand ils se replient, ils se disent, ah vraiment, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Parce que nos choix nous ont fait dévier. Nos passions nous ont fait dévier. Notre passion nous a fait dévier du droit chemin. Pardon, faut se sentir, faut nous pardonner. Ah! Moi, je viens vous dire que si le diable vous comprend dans ce monde, vraiment, ça sera difficile pour vous de voir Jésus, hein, le voir le royaume de Dieu. Ou bien, vraiment, même si vous voyez que les choses pareilles fonctionnent, même si vous voyez que les gens mettent beaucoup de filles et tout ça dans les clips et puis ça fonctionne, si vous savez que vous avez des enfants et que ça peut les toucher négativement, qu'est-ce que vous devez faire? C'est à vous maintenant de prendre la décision qu'il faut. Donnez-nous des idées. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué. C'est pourquoi je raconte cette histoire pour voir comment vous allez réagir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connectés. C'est parti!
Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous abonnez à cette chaîne. Dans la description, se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et je vous souhaite pour la prochaine vidéo. C'est parti.